Mal soir, ces sacrifices de trash au corps, j'espère que ça va pas trop bien. J'ai reçu un message d'une femme qui dit ceci: sacrifice, tu viens me voir quand tu veux, on s'amusera. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends que tu as l'anus qui gigote. Je comprends que tu as les tétons qui couinent et apparemment que tu as aussi la zézette qui fait des bulles. Mais ce n'est pas une raison pour m'interpeller de la sorte. Garde tes distances. Je ne suis pas un objet sexuel. Stop au sexisme. Stop au sexisme, putain. On va voir ça. Tous ces problèmes de sexisme dans cette vidéo. Oui. Stop au sexisme. Stop au sexisme. Vidéo qui va parler de black metal, mais de société aussi aujourd'hui. Oui, la société, plein de problèmes de notre société, et ça commence par le vocabulaire, ça commence par les mots. Il faut qu'on bouge. Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas de masculin pour le mot star? Que je suis obligé d'être une star, alors que je voudrais, avec mon kiki, être un star. Hein? Eh bien, je n'ai pas le droit. Pareil, déjà que je ne suis pas grand monde, je n'ai pas le droit d'être un personne, je dois être une personne. Qu'est-ce que c'est que cette société qui me féminise? Je veux être un personne. Pareil, je ne suis pas un victime, apparemment. Non, je suis une victime. C'est intolérable. Stop au sexisme, permettez-moi de mettre le masculin au vocabulaire qui me concerne. Hein? Ne me coupez pas les couilles, putain. Krieg, le groupe américain, ne se laisse pas faire, lui non plus. Oh, il a un morceau qui s'appelle The Immaculate War. La putain immaculée, elle arrive. On fait attention. Oh putain. Stop au sexisme, dit-on aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'apprends? Le gagnant de Roland-Garros en 2019, Rafael Nadal, a touché 2,3 millions d'euros.
La gagnante de Roland-Garros 2019, Athlège Barty, a touché la même somme, 2 millions 3, la même somme. Je suis outré. Je suis outré parce qu'elle doit jouer 2-7 et lui, il en joue 3. C'est-à-dire que les hommes jouent plus longtemps, plus d'heures de travail pour les hommes et pourtant la même rémunération. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de la surexploitation, mon grand. Ah. Travailler plus pour gagner autant. Bravo, quelle belle société, c'est dégueulasse. C'est au moins aussi dégueulasse que le slip de Enyoq. C'est grave. Pour s'en remettre, on va essayer d'écouter Nat Frost. Et là, c'est vilain aussi. Putain. Grosse putain, même. Filthy war. C'est dégueulasse. Stop au sexisme. On parle de société. Oui, sacrifice, réfléchis, sacrifice, regarde le monde et vois tous les problèmes. Ces problèmes, par exemple, il y en a un qui doit absolument disparaître, il faut être vigilant, c'est le fait que des femmes jouent les rôles des hommes. Ah ben si, on fait appel à des femmes pour jouer des hommes. Dans quel monde? Eh bien, dans le monde du dessin animé. Figure-toi que dans les versions japonaises de Dragon Ball, Son Goku est joué par une femme, comme si les hommes n'étaient pas capables. Hein? On nous prend notre travail, on ne nous respecte pas. Et c'est la même chose avec One Piece, Luffy. Eh bien, c'est une femme. Qu'est-ce que c'est que cette société, hein, qui ne nous respecte pas? Je demande tout de suite des explications. Putain, on va continuer justement avec The Arrival of Satan et leur putain fasciste, le fasciste war. Et tu réfléchis à tout ça. Putain. Yeah.
Stop, le sexisme doit cesser. Le sexisme doit cesser. J'ai été contacté par l'association des animaux. Ils sont en colère. Ils m'ont dit sacrifice. Nous faisons appel à toi, fais passer le message. Nous sommes toute une catégorie d'animaux. Nous sommes des mâles. Nous sommes traités comme des femelles. On nous empêche d'avoir notre genre. De qui s'agit-il? C'est signé la souris et ses petites couilles. Oui, bien que ce soit un homme, il faut dire la souris. Il aimerait qu'on lui dise le souris. La girafe et sa longue bite aimeraient également être un girafe. S'il vous plaît. Hein? On peut faire quelque chose? On y pense? Ensuite, nous avons la grenouille. La grenouille et ses poils au cul aimeraient bien être un grenouille. Quelqu'un? C'est pas tout. La baleine. La baleine? Mais parfois, c'est Monsieur Baleine. Il aimerait bien avoir son article masculin. Hein? Ah oui, parce que lui, c'est un mâle. Avec du sperme salé, certes, mais c'est un mâle. Hein? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter ce sexisme? Bah, on peut écouter quelque chose. On peut écouter Azaghal, par exemple, finlandais, avec le morceau Hail the War. Ça veut dire coucou la putain. Hail the War. C'est bien ça. Bah, c'est fini. Ah bah on finit en morceau. Hein. Putain. Oh!